Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la petite Citroën AX version rallye. Donc avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous vous portez bien, que vos familles vont bien en cette période de confinement. Donc voilà, en tout cas, gardez plein de courage parce que je pense qu'on n'a pas fini avec cet épisode. Bref, voilà. En attendant, j'essaie de vous changer un peu les idées. À tous ceux qui suivent ma chaîne, un grand merci. Et puis, oui, il n'y a pas beaucoup de tickets à gratter en ce moment sur la chaîne. J'en suis désolé, mais c'est aussi par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc voilà. Mais bon, je devrais bientôt en refaire. En attendant, on se concentre sur le jeu pour ceux qui suivent. Donc bah écoutez, cette voiture n'est pas dans le jeu de base, c'est un mod que j'ai rajouté. Je vous présenterai plein d'autres voitures, on y va progressivement avec des petits modèles et je vous garde vraiment des superbes voitures pour la fin. Je trouve des voitures vraiment superbes, donc on verra ça par la suite. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir cette voiture. Donc par contre, on va la pousser au maximum de ce qu'elle est capable de faire. Les pneus, on peut pas les changer. Je vous avais expliqué qu'il y avait pas mal de réglages qu'on pouvait faire sur chaque voiture. En électronique, on va enlever le traction control. On va laisser l'ABS. Ça sera très bien comme ça. Le restant, je ne vais pas y toucher. Juste regarder. Ouais. Donc le restant, on n'y touche pas. Après, c'est chaque voiture a des réglages différents, c'est pour ça que je regarde quand même à chaque fois. Donc bah allez, ma foi, on est parti, j'espère que vous m'entendrez bien. Donc voilà la voiture de l'extérieur. Franchement, elle est magnifique. Après, c'est des mods, donc sont pas toujours aussi bien faites que les voitures de base dans le jeu, mais ça reste vraiment un plaisir à conduire. Donc au niveau du moteur. Là, on peut allumer les phares. C'est pas le cas de toutes les voitures, donc je le précise à chaque fois. Le klaxon y est. Donc franchement, au niveau du mode, elle est assez complète. Donc voilà la vue intérieure. Donc on n'est pas en VR, sinon je pourrais éventuellement regarder derrière, mais là comme on n'est pas en VR, voilà. Le tableau de bord s'allume aussi. Donc allez, c'est parti. On va se faire. Alors, on va se faire deux tours de circuit et à la fin, je vous mettrai le replay. Comme ça, vous aurez la vue interne et le replay avec la vue externe de la voiture. Voilà, les amis. Donc, pour ceux qui veulent voir les deux, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, sur ce, je me concentre. Je vous laisse regarder la vidéo et bonne vidéo à tous. Thank you.
Donc voilà les amis, donc j'ai fait deux tours de piste. Je vais vous laisser avec le replay que vous allez pouvoir voir tout de suite. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, je vous laisse avec le replay. Thank you.